Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un puzzle 3D. Donc, comme vous le savez, j'en ai déjà fait deux autres et j'ai déjà monté aussi un Lego Magicobus. Et aujourd'hui, je viens pour monter celui-ci. Donc, cette fois-ci, c'est Ollivander et Scribulus. Donc, Scribulus en bleu et Ollivander en marron. Et donc celui-ci, il fait 295 pièces et si vous vous souvenez par rapport aux autres vidéos que j'avais faites, c'est des puzzles qui sont en 3D, donc c'est-à-dire que je les monte petit à petit et puis ensuite je les place en 3D quoi. Et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous montrer le montage.
voilà pour le montage de ce petit puzzle 3D. Donc ça m'a pris à peu près 2 heures, un peu moins de 2 heures, bah, comme les autres en fait. C'est pas si long que ça, mais là il y avait 5 pièces de plus par rapport au précédent. Et donc là c'était la boîte pour vous remontrer à quoi ça ressemble. Et puis je vais vous le montrer dans mes mains. Donc hop, je l'ai posé par terre pour que ce soit plus accessible, parce que maintenant ils sont positionnés tout là-haut de ma bibliothèque. Donc c'est un peu loin à aller chercher, donc c'est plus simple comme ça. Hop. Et du coup voilà à quoi il ressemble. C'est la face avant, la face arrière, puis les côtés comme ça. Hop. Voilà. Puis là ça c'est le dessus. Vous voyez, il y a tout un toit qui est plat ici aussi, au-dessus d'Ollivander. Donc voilà. Donc, je suis très contente. Donc comme les autres, il a plein de détails. Celui-ci, il a un peu plus de détails en 3D par rapport au précédent que j'ai déjà fait. Il y a la petite plateforme au-dessus avec un toit plat. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis très contente de l'avoir fait. Ça m'a pas pris trop de temps. Donc là, il m'en reste encore un à monter et que vous verrez prochainement. Et dans la dernière vidéo, je vous montrerai tout le village ensemble. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine. Ciao !